Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui nous ouvrons par un communiqué du gouvernement, lu ici par la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alinghi. Depuis quelques jours, une certaine presse fait circuler sur la toile des informations erronées et dénuées de tout fondement, faisant état du retrait des troupes tchadiennes positionnées à la frontière Tchad-Niger. Le gouvernement du Tchad tient à apporter un démenti formel à cette manipulation de l'information et tient à préciser à l'opinion nationale et internationale qu'il s'agit d'un simple mouvement de redéploiement de nos forces en vue de mieux sécuriser nos frontières qui sont jugées poreuses. Le gouvernement du Tchad tient à préciser, une fois de plus, que malgré ses faibles ressources et le soutien qu'il est en droit de bénéficier et de mériter, sa détermination et son engagement restent et demeurent intacts pour une lutte sans merci contre la secte Boko Haram et tous les autres groupes terroristes présents dans la région.